Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode consacré à Madagascar sur PC. Alors, que dire sur ce jeu ? Bah tout d'abord, c'est l'adaptation jeu vidéo du tout premier film Madagascar, où on peut contrôler 4 personnages différents, si je ne me trompe pas, même 5. Et donc, comment dire ? Principalement, c'est un jeu action-aventure. Ce qu'on fait en général, c'est surtout échapper à des gardes ou même vous verrez bien. Je vais pas non plus vous raconter tout le jeu alors qu'on a même pas commencé. Donc au pire, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on commence l'aventure. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de faire le premier niveau, donc je ne suis pas trop perdu en fait pour le moment. J'ai appris les commandes, je sais où trouver tout ce qu'il y a à trouver, et je vais m'attarder dans certains trucs comme les mini-jeux, histoire de les tester un petit peu, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire lorsque j'ai fait les premiers tests pour ce jeu. Alors c'est parti. Sont bizarres. Ah, le zoo, situé en plein cœur de New York. Regardez comme tout le monde a l'air heureux ici. Qui aurait envie de partir? Eh bien, pour être franc, moi. La nourriture, les ballons, les animaux, et tout ça est bien beau si vous êtes un enfant. Mais je suis pas sûr que ma place soit ici. Enfin quoi, j'ai 10 ans aujourd'hui. Il doit y avoir autre chose dehors. Et vous savez quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, je vais le découvrir. Ramasse trois cartes pouvoir. Les cartes pouvoir permettent d'avoir des pouvoirs. Il paraît que si j'en ramasse assez, j'aurai des nouvelles capacités. Rien de compliqué. Il me semble qu'il se passe un truc si je cours là-dessus. Plus longtemps. J'adore ce manège. Au pire, je vais rester là et leur entendre parler. Je vais être musclé. Ok, j'en peux plus. On peut arrêter maintenant. Je vous empêche de passer, je sens que ça a duré. Une minute sur ce truc et tu mouilles la chemise. Ok. Une fois, j'ai couru pendant au moins 2 heures sur ce truc. Je le referai pas. Ah non, ça m'étonnerait. On s'entraîne pour quoi? Un marathon? Le reste du zoo est super. On devrait peut-être aller voir. Non, reste là à courir, c'est mieux. Et si on allait au bar? J'ai besoin d'un rafraîchissement. How about we press the stop button? Quoi? Je me plaindrai à la SPA.
Il me semble qu'Alex m'attend. Non, reste là, cours. Alex ! Alex ! Je peux pas descendre ! C'est bien que le gamin regarde. Ça lui donnera envie de faire du sport. Ne me laisse pas là ! C'est ça, fais tes petites affaires. Laisse ce vieux Marty pourrir sur place. Mes sabots me font mal. Évidemment, tu cours pas longtemps. Je te donnerai une pièce si t'arrêtes. Ouais, c'est sûr. C'est quoi ton problème? Va chercher l'argent. Il me l'a vraiment donné en plus. Tu es là? Reviens ici et joue au jeu. Sérieusement. Ne me laisse pas là. Je parie que tu crois que je n'arriverai jamais à descendre de ce manège tout seul. Eh bien regarde, je vais me concentrer très fort et souhaiter que je suis ailleurs. Tu es là? Tu peux pas me laisser comme ça. C'est cruel et bizarre. Ou au moins cruel. Ils sont vraiment enregistrés autant de voix pour ça. J'adore ce manège. Je vais être musclé. Il a recommencé à parler. Donc, juste en faisant du tapis, je récupère les pièces manquantes. Ces oiseaux sont méchants. Ben, c'est bon à savoir. Je vais m'attarder dans ces trucs-là un peu plus souvent. Écarte-toi. Alors là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Alors, premier pouvoir. Le coup de pied. Ça permet de casser des choses. Maintenant, donne des coups dans ces portes. Appuie sur attaque pour les ouvrir. Franchement, je m'attendais absolument pas à voir les pièces. D'autant que je m'attendais pas à ce qu'il parle pendant aussi longtemps. Mais bon, il l'a fait et on a eu... On a une certaine récompense pour notre patience. Je suis un méchant zèbre. Si je crève à cette ballon, j'aurai une voix rigolote. C'est bon à savoir. Une voix gonflée à l'hélium. Oh, dommage que je puisse pas lancer ça sur les passants. Mais ça a l'air dangereux. Il m'a sauvé la vie à temps. Le lion que je voulais voir. Ça va, Marty? Je sais bien que c'est ton anniversaire. Pas la peine d'en faire des tonnes. J'étais sincère. Je suis content de te voir. Ok, c'est bon, tu m'as eu. Je t'ai apporté un petit truc, mais à cause de mes répétitions, j'ai pas eu le temps de l'emballer. 4 spectacles par jour. Se glisser à chaque fois dans le personnage, ça fatigue, c'est sûr. Ouais, 4 fois par jour. Et avec tout le respect que j'ai pour ton travail et ton truc de manège, c'est loin d'être facile de redevenir moi-même après chaque spectacle. Mais sérieux, mon pote, ça y est, t'as 10 ans. Ça n'arrive qu'une fois. Alors, tu veux que je t'aide à répéter ton numéro? C'est vrai que la présence d'un public m'aide à focaliser mon chi. Reste là, juste là. Parfait, Marty. Reste totalement immobile. Merci. Appuie sur saut pour... Je crois qu'on est prêt pour le grand saut, hein, le roi de la cascade. Ok, vas-y, saute. Trouve tes 3 cartes pouvoir pour qu'on bouge de là. Bon, c'est parti alors. On peut rugir. Cette fois, je ramasse tout. Vos sourires sont ma plus belle récompense. Oh, quel pourrait gâter. Il a son propre terrain de golf. C'est si bon le contact avec les fans. Une. Je veux toutes les pièces de cet endroit. Je vais fouiller chaque parcelle de ce périmètre. Hey, tu dois trouver tes 3-4 ouais, pouvoirs. Faut que je puisse l'atteindre déjà. Ok. C'est parti alors. Alors voyons voir.
Y a rien en haut de ça. Bon bah je récupère l'autre carton. Alors, si j'ai tout récupéré par ici. Attends, c'est encore des pièces. En plus, ça tombe bien, je viens d'avoir le double saut pour Alex. Maintenant, tu devrais réussir à sauter plus haut. Lorsque tu es en l'air, appuie à nouveau sur saut pour sauter encore plus haut. Maintenant, saute dans les anneaux arc-en-ciel. Le public adore ça. Je ne manquerai pas de le faire. C'est ma mission. Aie peur de moi. Vous allez voir un sacré spectacle aujourd'hui. Crois-moi, Marty, t'auras peur de moi. Ah, regardez ça. C'est ces lions pourri gâtés. Montrons-lui qui sont les vrais rois de New York. Quelqu'un a commandé de la béchamel. Oh, les bâtards. Tu ne peux pas faire ton numéro avec ces pigeons qui arrosent ton spectacle. Appuie sur attaque pour rugir et les effrayer. C'est ça. Je peux pas effrayer. Je suis le grand méchant lion. Allez-y, partez. Je n'aime pas votre public. Allez-y, partez. Partez. C'est mon territoire. Vous aussi, les bêtes à plumes. Voilà. C'est mon terrain de jeu. Rien qu'à moi. Quel artiste. Il y a encore quelqu'un, là. C'est mon territoire. Vous n'en croyez pas vos yeux, n'est-ce pas? Alex le lion saute à travers les cerceaux. Ouais, c'est étonnant qu'un lion sache faire ça. Ça me plaît. Et son terrain de golf. Comment dire? Ces gens savent reconnaître le vrai talent. Dégagez, j'ai pas envie de votre béchamel aujourd'hui. Vous avez aimé le spectacle, n'hésitez pas à assister aux autres numéros quotidiens des animaux du zoo. Ils sont tout aussi exceptionnels. Maintenant, montre-leur qui est le roi. Monte sur ton piédestal et prends une pose majestueuse. Il me donne même une pièce. Alors, en tout cas, je l'aurais mérité. Se lasse jamais d'un tel spectacle. Dégagez les pigeons. C'est toi le roi. Ne laisse pas ces rats volants faire penser le contraire. On dirait que mon boulot ici est fini. Tu devrais passer voir Gloria. On dirait que t'as besoin de réconfort. Rien de tel qu'un hippo pour redonner la banane à un zèbre, non? On se voit ce soir à la fête d'anniversaire. Maintenant j'y vais. Ok. J'ai quand même envie de toucher ça. Je suis déçu. Je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça. La sécurité est renforcée aux zoos. On ne farfouille pas dans le coin. Je m'en fous si je veux. C'est moi le joueur. Tu n'es qu'un pion. Ah, le secteur sud. Il y aura peut-être quelque chose d'excitant en coulisses aujourd'hui. Ouais. Peut-être que Melman pourra me remonter le moral. J'avais dit Gloria. Quels que soient mes problèmes, les siens sont toujours pires. Marty, ça va pas? C'est contagieux? Non, ça va pas. En fait, je me sens juste un peu... Oh, ça va bien pour moi. À part les microbes, bien sûr. Oh, et puis, il y a les parasites aussi. Et le fait que j'attends mes médicaments depuis... bientôt... 38 minutes. Oh, Marty, ça y est, c'est la fin. Comment peux-tu supporter ça? Ok. On se voit plus tard, Melman. Encore un ballon. Ah non, mauvais côté. Ça le fait. Prends ça. Cette girafe, elle est dingue. Donc, c'est la girafe qui est dingue alors que moi je vais lui foutre un pied. Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Non. J'espère que la folie de Melman va pas déteindre sur moi. C'est mieux. Pas notre ballon ici.
ça promet. Armor Madness. J'adore ce jeu. Un petit jeu. On contrôle un char. On va le prendre un fort. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on va essayer de faire le meilleur score possible. Hey, c'est mon fort. Personne ne touche mon fort. Pas sous ma garde. C'est chaud parce qu'on peut pas tourner et avancer en même temps. Ça prend une bonne tournure. Allez-y. Allez-y. Je vous attends. Vous pouvez rien contre moi. Bon, niveau 2. Encore combien? 8? Vous ne serez plus 8. Ça, c'est le panne. Vous ne serez plus rien. Mais... donnez-moi une meilleure arme, je vous en prie. La capacité de se déplacer plus librement. À chaque fois, ils augmentent le nombre. Ah, ça, c'est bien. Tout rebondissant. Alors, je sens que ça va me plaire. Oh, ça, ça me plaît. Sous ma garde. Sous le gardien le fort. Alors, on s'y met. Sous le gardien. N'importe quoi. Non ! Pas mon fort. Prenez-moi à sa place. Bon, je vais quand même mieux. Ok. Niveau 4. Oh, ça me manque déjà. Hey, arrête de fuir. J'aime pas quand même. Attaquer de partout. Vous n'aurez jamais de mon vivant. Combaudissant, les combaudissants, yes. Allez, viens par là. Que mes gros bandits sur toi. Thank you.
pas prendre d'autres bonus parce que je sais que ça va le remplacer. C'est moi où il manque un mur là. Non, c'est pas bon du tout. Ah, il manque un autre mur. Oh là là, c'est... ça commence à devenir plus en plus problématique. Niveau 5. Je suis un battant, moi. Ça, c'est quoi? Ah! J'ai envie que je prenne ce bonus alors. Et tout aussi. Oh, c'est trop et j'ai pas le temps. De savoir qui a été. On sent encore 7. Et en fait, creusant. Reviens, lâche. Non, pas mon mur. Non. Tu paieras ce que tu as. Tu paieras les réparations. Non. Non. Pas mon mur. Non. Non, 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 non. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. C'est pas ça, mon fort. Pas pendant ma garde. Quel déshonneur ce serait. Si jamais c'était le dernier et qu'il venait à gagner. Non, 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 je me permettrai pas. C'était vraiment moins une. Je sens que là, ça va être le combat. Le combat ultime. Où je vais tout donner. Je vais sauver ce fort. D'une manière d'une autre. Même si je dois faire exploser mon propre char pour ça. Bon, je sais que je peux pas. Mais... ouais. Pourquoi j'ai pas eu ça depuis longtemps? Alors pourquoi j'ai pas pris depuis longtemps? Toujours à la même vitesse. Ça aurait été cool quand même. Allez. Non, 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 non. Je ne permettrai pas. Non, non, pas le fort. Pas le fort. Non, 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 non. Non. Ça ne va pas pendant longtemps. On ne dit même pas quand ça s'arrête. Et puis 3. 2 et lui la queue. Non. Prends-moi à sa place. Stupide. Quel jeu stupide. Ok. Bon ben, on se retrouve la prochaine fois.